T'as jamais pu faire la chenille? Non, non. Je peux faire plein de conneries. Vraiment, plein de conneries. Mais ça, non. Je bois plus que je conduis. Allez, on va bien boire. Chanteuse. Parce que je suis ici, anglais. Mais quand je suis là-bas, français. Chet Baker. Gainsbourg. Demain pour chanter hier. C'est un travail tellement différent. Là, je vais faire un an de studio et je suis un peu fatiguée. Donc la scène, j'ai hâte d'être sur scène. Mais dans un an et demi, si vous me reposez la question, à mon avis, ça sera autre chose. Wi-Fi. Histoire de foutre le bordel. Je m'en fous, j'aime ni l'un ni l'autre. Je suis de la famille croissant. Velours. Je passe plus de temps dans des bains que sur des tapis rouges. Non, tapis de bain. Insta. Ce qui d'ailleurs me gêne un tout petit peu, je suis désolée, parce que je suis même un peu plus vieille que vous, donc moi c'est Instagram. Insta, c'est way too cool, c'est Instagram. Étrangement, dans la famille, il n'y avait pas beaucoup de chansons françaises un peu comme ça autour de la table. La chenille, tu danses, c'est ça? Je crois que les serviettes, ça m'angoisse encore plus, je préfère la chenille. Donc dans les deux cas, la soirée dérape franchement. Normalement, je suis déjà partie dans un taxi. Beyoncé. Non, en fait, Rihanna. Elle irradie de drôlerie. C'est du genre, un caractère qui, je pense, va toujours s'amuser, alors qu'il y a quelque chose de l'ordre du travail et du contrôle dans tous les métiers, où c'est rare de voir quelqu'un avoir tant de succès et s'amuser pleinement. Agnès Varda. I don't know. Pause café, justement, je ne sais pas. Cette question n'a pas de sens. C'est genre... je sais pas.